DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le tour d'horizon qui est un moment qui nous permet de vous apporter les quelques news que nous avons pu récolter sur quelques internationaux congolais. Nous sommes en tout cas à l'heure des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La deuxième étape ayant terminé la phase des groupes, nous avons nos yeux rivés vers cette dernière phase, les barrages qui vont donc se jouer au mois de mars 2022. 4 mois pour le Léopard justement de se refaire une bonne santé pour être prêt et il est donc important pour nous de partager avec vous les quelques news afin de suivre l'évolution de nos internationaux et comprendre le choix du sélectionneur actuel des Léopards, le technicien argentin très très expérimenté Hector Hall Cooper. Alors ce petit tour d'horizon va nous amener en tout cas dans plusieurs championnats européens. Nous le débutons à partir de la Belgique. Et la Belgique où nous allons avoir des nouvelles d'un revenant, Merveille Bopé. Après une longue blessure, Merveille Bopé revient peu à peu. Retour salvateur pour son club, le Standard de Liège, un peu en disgrâce. Hein, ce club qui a changé d'entraîneur à la suite des mauvais résultats et qui a retrouvé des couleurs à l'occasion de cette 14e journée. Nous allons en parler. Vous savez que lors de ce match, il y a eu au moins 3 internationaux sur le terrain en début de cette rencontre au niveau du Standard. Nous avons 3 internationaux. Merveille Bopé, Samuel Bastien, devenu aussi titulaire en équipe nationale. Et sans oublier Jackson Moulika qui a participé aussi à la fête lors du match de la dernière journée, en faisant son entrée en jeu en toute fin de partie. Et nous allons bien évidemment parler aussi des Doka Yembe qui jouaient de l'autre côté, l'équipe adverse qui jouait contre le Standard de Liège. Et nous allons faire un petit tour en Europe, hein, en passant par le Portugal, en allant en France pour avoir des nouvelles de Samuel Mutusami. Et nous allons enfin atterrir en Lituanie pour avoir des nouvelles d'un international dont on n'a plus eu des nouvelles depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit bien de Jordan Nkololo. Alors débutons ce petit tour d'horizon, je l'ai dit, par la Belgique où se jouait la 14e journée de la Jupiler Pro League, hein, championnat belge de première division. Et le Standard de Liège recevait pour l'occasion l'équipe des Doka Yembe Eupen. Après 7 mois d'attente, Merveille Bopé retrouvait ainsi une place de titulaire dans le 11 de départ du Standard aux côtés de Samuel Bastien est bien positionné dans le milieu de terrain. De l'autre côté, Edoka Yembe était aussi titulaire et bien positionné aussi dans le milieu de terrain. C'était donc une bataille entre des internationaux congolais dans l'entrejeu des deux équipes. Plus de 2 mois après son dernier succès en championnat, le Standard de Liège a renoué avec la victoire en s'imposant sur le plus petit des scores face à Eupen, 1-0 ce samedi soir à Sclessin. Les Liégeois n'ont même pas eu besoin de marquer puisque c'est le malheureux Emmanuel Agbadou qui a inscrit un autobus aberrant en toute fin de première période, soit à la 45e plus 3 minutes de temps additionnel. Et grâce à cette première victoire sous Luca Elsner, le Standard remonte ainsi à la 11e place avec 20 points alors que les Pandas à Eupen restent sur un petit 1-15. Cet autobus est survenu suite à un centre de Merveille Bopé. Du côté liégeois, Bopé a terminé toute la rencontre alors que Samuel Bastien est sorti à la 72e minute. Quant à Jackson Moulika, il est malheureusement resté sur le banc. Alors du côté de Eupen, Edo Okayembe qui était titulaire, hein, bien évidemment, a terminé aussi le match. A noter que Merveille Bopé a joué comme milieu défensif et Samuel Bastien juste devant lui comme relayeur. Hein, c'est exactement le poste où il évolue aussi en
équipe nationale. Alors cette association pourrait être intéressante hein, dans l'optique de l'équipe nationale. On aurait dans le milieu du terrain en tout cas deux joueurs qui jouent dans le même club et donc qui se connaissent. On va voir comment Merveille Bopé va évoluer, comment peu à peu il va retrouver son niveau d'antan. Donc voilà des nouvelles de la Belgique. Hein. Nous allons donc quitter la Belgique pour faire un petit escale du côté du Portugal avant de nous envoler vers l'Hexagone, hein, le voisin de la Belgique, pour avoir des nouvelles de deux autres Congolais. Après cette courte pause, nous allons retrouver Simon Banza et Chancel Mbemba du côté du Portugal. Voilà, de retour après cette courte pause et nous allons du côté du Portugal, du côté du Portugal où le club de Famalicão s'est imposé en Coupe du Portugal. C'était face à Futebol Clube Alverca et c'était sur le score de 2-1. Ainsi, Famalicão de Simon Banza disputera les huitièmes de finale de la Coupe du Portugal. Ils accèdent donc au tour suivant. Il faut noter aussi que notre compatriote Simon Banza a inscrit le but de la victoire. Un but donc très très important alors que le match était à un but partout. Simon Banza permet donc à ses coéquipiers de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Portugal. Bon vent donc à Simon Banza et à son équipe Famalicão. Alors nous restons au Portugal bien évidemment pour avoir des nouvelles du demi-dieu Chancel Mbemba Mangoulou qui jouait également aussi la Coupe. Hein. Chancel Mbemba qui joue avec son club de FC Porto. Et le FC Porto, Chancel Mbemba se sont baladés en tout cas hein, devant l'équipe de Ferenc sur le score de 5-1 à l'occasion du 4e tour de la Coupe du Portugal. Chancel Mbemba était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale de cette équipe du FC Porto. Bravo donc à nos internationaux congolais qui se comportent hein, en tout cas à très bien. Nous allons voir au fur du temps que nous évoluons dans ce petit tour d'horizon que d'autres en tout cas se sont bien illustrés au cours de ce week-end, tout comme Chancel Mbemba Mangoulou. Alors nous allons quitter le Portugal pour faire un tour du côté de l'Hexagone. Je l'avais dit, hein, l'Hexagone où nous allons retrouver un international congolais qui a trop souvent été titularisé dans l'entrejeu des Léopards de la RDC. Il s'agit de Samuel Mutusami, sociétaire du FC Nantes. Samuel Mutusami qui est tombé avec son équipe mais arme à la main devant une équipe de Paris Saint-Germain qui voulait en tout cas arracher les 3 points malgré son infériorité numérique. Et Samuel Mutusami pour ce match contre le Paris Saint-Germain était titularisé par son entraîneur et malheureusement je l'ai dit, les Canaries sont tombés face à un PSG quoi qu'en infériorité numérique et c'était au terme d'une rencontre très très disputée. Finalement Paris Saint-Germain s'est imposé grâce à 2 buts marqués à la 81e minute et à la 87e minute du match pour le 3-1. Alors Samuel Mutusami était auteur quand même d'un match plutôt correct hein, où il s'est un tout petit peu aussi imposé dans ce milieu pas facile et d'ailleurs il s'était exprimé à la fin de ce match regrettant un tout petit peu le fait que cet avantage du côté numérique n'ait pas permis aux Canaries d'arracher un meilleur résultat que cette défaite. Hein. Je rappelle que le gardien du Paris Saint-Germain Keylor Navas a été expulsé et malheureusement cette expulsion n'avait permis à Nantes de recoller un tout petit peu au score le Paris Saint-Germain mais par la suite en tout cas l'équipe a perdu avec un autogol aussi qui a eu à les déstabiliser et c'était le but du 2-1 avant de voir un certain Lionel Messi inscrire le 3e but pour clouer finalement cette équipe de Nantes. Alors Samuel Mutusami a été remplacé à la 77e minute de jeu et Nantes qui est 11e au classement de Ligue 1 avec 18 points. C'est une bonne chose, hein. J'imagine qu'Hector Raoul
Cooper qui aime trop titulariser Samuel Mutusami en équipe nationale s'est dit avoir raison compte tenu de cette performance de son léopard, alors que beaucoup de Congolais en tout cas se plaignent de la présence de Samuel Mutusami sur le terrain, estimant en tout cas qu'il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter à cette équipe nationale. Nous restons en France, mais nous quittons la Ligue 1 en tout cas pour aller en Ligue 2 et avoir des nouvelles d'un autre international congolais. Il s'agit de Lionel Passi Nzau. Lionel Passi Nzau qui évolue du côté de Rodez. Et Lionel peut avoir une bonne nouvelle. Lui qui était sur le banc de l'équipe nationale de Léopard, notamment lors de cette sixième et dernière journée face au Bénin. Lionel Passi Nzau était titulaire, bien évidemment, dans les buts de Rodez. Il a participé donc à la victoire de son équipe sur la pelouse de l'AS Nancy. Score final 0 but contre 2. À noter que le gardien international congolais n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 2. Affaire donc à suivre, un gardien que nous allons continuer à suivre puisqu'il peut être aussi un rempart, une alternative peut-être à une indisponibilité de Joël Kiasumbwa. Nous poursuivons donc ce petit tour d'horizon en faisant un tour du côté de la Hollande et nous allons boucler du côté de la Lituanie après cette courte pause. Justement, ça t'a fait quoi de voir cette ambiance du parc, le parc il s'est allumé, tu vois? Ouais, non, franchement, c'était beau. C'était beau, on a tous joué dans des stades pleins comme ça, avec une telle ambiance, donc franchement, c'était un plaisir. Terminons ce petit tour d'horizon en chutant du côté de la Hollande et de la Lituanie, mais on commence par la Hollande pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais qu'on n'a plus revu après sa participation en tout cas lors de ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit de Okita et son club de NEC qui malheureusement ont été rattrapés au score aux derniers instants alors qu'ils s'acheminaient tranquillement vers une victoire. Le NEC Nimeg de Jonathan Okita a finalement concédé le but de l'égalisation à la 93e minute de la rencontre. L'international congolais du NEC Nimeg a disputé l'intégralité de la rencontre. Son équipe pointe provisoirement à la 7e place du championnat néerlandais avec 19 points. Donc voilà des nouvelles en tout cas des joueurs congolais qui évoluent dans leur championnat respectif. Il faut dire que Jonathan Okita évolue du côté du championnat hollandais de première division. Il côtoie en tout cas des clubs tels que Ajax d'Amsterdam ou encore le PSV Eindhoven. Et donc c'est un joueur qui doit être suivi aussi, mais qui n'a plus été rappelé par Hector Raoul Cooper. Nous nous demandons bien pourquoi. C'est un joueur qui peut en tout cas constituer aussi cette réserve dont aura besoin les Léopards de la RDC pour remplacer ceux qui sont en tout cas arrivés au soir de leur carrière. Ils sont très nombreux dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors bouclons ce petit tour d'horizon par la Lituanie pour avoir des nouvelles d'un ancien en tout cas qui dont on n'a plus eu des nouvelles depuis un certain temps. Un bon joueur également, il s'agit bien de Kololo qui évolue du côté du championnat de la Lituanie et qui s'est offert en tout cas son 7e but. Jordan Kololo a inscrit son 7e but en championnat cette saison en marquant à la 21e minute de la rencontre qu'ils ont disputé en championnat et son équipe le Suduva s'est imposée sur le score de 3 buts à 1. Ça fait du bien en tout cas d'avoir des nouvelles de ces quelques internationaux, surtout Jordan Kololo dont on n'a plus eu des nouvelles depuis très longtemps, et c'est quand même bien de savoir qu'il a inscrit un but et son 7e cette saison, ce qui est une très très bonne chose. Donc voilà, en marge en tout cas des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les barrages, nous allons multiplier ces petits tours d'horizon pour partager avec vous en tout cas ces performances de nos joueurs qui pourraient être sélectionnables pour l'équipe nationale, en attendant bien évidemment que Roger Itoto, l'ambassadeur de cette équipe des Léopards de la RDC, puisse faire son travail, celui de tenter de convaincre d'autres binationaux pour venir renforcer
cette équipe de la République démocratique du Congo avant les barrages qui sont prévus pour le mois de mars prochain. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.